Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la playroom sur un nouvel épisode de Robocraft. Donc, nous sommes partis, il n'y a plus qu'à y aller. Donc, vous voyez notre nouveau robot, donc je l'ai appelé comment déjà? Oui, spray anti-mouche. Bon, au niveau de l'anti-mouche, il est pas top. J'ai pu l'essayer, j'ai acheté en fait. Comme je vous l'avais dit, j'ai commencé à acheter un petit peu. Blablabla, je sais plus où sont mes touches. Voilà, non, c'est pas là. J'ai acheté, oui je suis stupide, j'ai commencé à acheter, vous voyez, quelques armorettes cubes, donc pour le préparer donc à la suite tout simplement. Je sais qu'il m'en faut à peu près 370 comme ça, plus une soixantaine comme ça, si je ne me trompe pas. Une fois que j'aurai ça, bien sûr, c'est que les anciens cubes reviendront à la place donc pour créer un troisième robot. Je tiens aussi à préciser, dans le précédent épisode j'ai dit qu'il me fallait un heal. Alors avant le heal, j'aimerais partir sur un sniper, voilà, je le précise, ça m'a trottiné dans la tête tout le week-end. En me disant j'ai fait une connerie, j'aurais dû dire sniper. Donc voilà, maintenant les choses sont remises à leur place et nous partons. C'est parti. Ça va, le chat a l'air assez calme en ce moment, c'est cool. C'est assez cool. Bien que, alors chers amis, comme j'ai joué un petit peu ce week-end, j'ai pu me rendre compte de certaines petites choses. Premièrement, les gens jouent beaucoup il. Ah, ça tombe bien, on est sur une partie qui va me contredire complètement parce qu'il n'y a pas un seul heal. J'ai vu plusieurs, dans pratiquement, allez, je dirais 80% des parties que j'ai jouées, des groupes de 2 ou 3 heals qui s'auto-healaient chacun et c'était assez casse-noisette. Alors c'est bien, mais tu vas te faire défoncer toi, mon pote. Justice Dragon, comment t'appelles ça toi? The Bomber, ah bah oui, vachement. Hein. Alors vous allez voir aussi que ce robot est vraiment très très lent, du point A au point B, il est vraiment d'une lenteur affolante. Alors, pour ceux qui s'en souviennent, j'ai aussi un canon donc en dessous. Bon, j'ai peut-être pas tenté le diable. Apparemment ça le tente, lui, le diable. Mais elle était pas genre là avant. J'ai une vieille réminiscence moisie. Merci au tracteur de passer dans ma rue. C'est toujours sympathique. Alors. Merci aux snipers de venir m'aider. Alors certaines personnes m'ont expliqué des choses, comme quoi les snipers au début d'une partie c'était ceux qui faisaient le plus de dégâts autour. Merci à ceux qui prennent toujours le temps de m'expliquer des choses. Hop, les, parfait. Donc ça se débrouille pas si mal que ça, chers amis, hein. C'est assez cool à voir. Raté. Allez. Alors, où est-il? J'essaie de viser les pales de l'hélico. Voilà. Allez, tombe. Voilà. Ça c'est fait. On va passer se faire heal un petit peu par le bouclier. Hop, les marches arrière. Toujours été un pro des créneaux, chers amis. Comme vous voyez, il est extrêmement stable mais très très lent. Et malheureusement, je ne peux rien changer à cette lenteur, sauf si je souhaite enlever de la redondance au SMG. Alors, vous me direz, oui, mais ça n'a pas besoin de toutes ces SMG là. Oui, mais si on m'en détruit, je garde toujours la même cadence de tir. C'est là qu'est tout l'intérêt, chers amis.
Vous voyez aussi, il peut très bien grimper sans le moindre problème. Je l'ai vu grimper des choses épiques. What? Hello l'ami. Bien joué. Donc lui il s'amuse à nous spot de très très loin. Dommage, j'aurais tenté le coup. Alors j'imagine qu'il a tué directement dans mon... voilà, c'est ça. Il a raison, Kabbalist. C'est que des machins qui sont tout ronds en fait, qui permettent d'utiliser en fait un maximum les extraplates. Ou alors un sniper qui campe au... qui campe au, comment que ça s'appelle, dans le bouclier. Ce qui est complètement pute, je trouve. C'est pour ça que je jouerais comme ça. Yo, vous êtes bien nous. Non, mais disons que c'est un excellent moyen de jouer de manière safe. C'est pas ce que je... Bah, vous savez très bien que je tiens pas longtemps comme ça en place sans faire rien du tout et à attendre que les ennemis viennent. Donc de ce côté-là, j'ai envie de dire ne vous inquiétez pas, hein, ça ne se jouera pas uniquement comme ça au snipe. Pour le reste, on verra bien. Mais oui, j'y vais, copain. Alors faudrait que j'aille voir s'il n'y a pas des... du straf avec ce jeu. Ah mais vous êtes où les gars? Je me sens tellement seul. Raté. Sinon ça va, t'es fier de ton gameplay ou pas du tout ou juste un peu? Parce que ça, je suis désolé, c'est pas censé voler quoi. Ça c'est stylé par contre. C'est excellent. Ça fait petit robot, vous savez, de... Bah petite maquette quoi. Ça passe strictement rien dans l'équipe adverse. Hein. C'est... Il y en a qui sont barrés. Ezekiel. Tiens, bah ravi de te rencontrer Ezekiel en face. Hop les. Touché. Aïe. Bon. Interceptor spotted. Railcopter spotted. C'est génial, hein, ils sont deux campeurs au spawn. Vivement que ça crève, et comme ils ont des joueurs en moins, eh ben ils ont une vitesse de spawn complètement ahurissante. Mes commandes sont inversées parce que je suis à l'envers, bien sûr.
Dit comme ça, ça me semble extrêmement logique. Respawn, c'est pas grave. Alors vous voyez, avec deux joueurs en moins, on a deux tours, ils en ont qu'une. Ils ont 23 secondes de respawn en moins. Alors, voyons voir, peut-être qu'en prenant par un chemin, je dirais, un peu plus usuel, ils vont se laisser avoir. La vache me fait snipe. Je me fais snipe parce que tout le monde va à l'endroit où ils sont tous. Et que du coup, bah je suis tout seul. Ah non, ça y est, ça se ramène. De toute façon, ça sert à rien de les tuer. Ça sert à rien de les tuer de toute façon. Allez, viens, reste sur moi. T'as raison. Allez, reste. Les gars, vous pourriez pas rusher sur leur... Ça peut pas être dans le bon sens. Mais comme j'ai du mal à tourner en fait... Bon, respawn. Vite. Avec 14 secondes de moins, ça devrait être pas top. Enfin, c'est pas top au final, c'est bien ce qui me semblait. Ah la vache. Alors, parfait. Donc ils ont le droit de nous reprendre une tour parce que j'étais pas là, bien sûr, hein, c'est sûrement à cause de ça. Leurs snipers, ils ont un niveau 12 parce que bon, voilà, quoi, quand on campe, on n'a pas de problème de ce côté-là. Pour se faire kill, c'est très très difficile. Hop, là, je vais essayer d'aller prendre par derrière, littéralement. J'en ai rien à foutre. La vache. Voilà, technique du tourbillolage. Voilà. Génial, hein. Génial. J'adore ce gameplay. Ça ne devrait pas être suffisamment stable pour sniper. Mais écoutez, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Oh, mais c'est un Français! Hi Son, dis bonjour à YouTube. Quel ami formidable. Bon, qu'est-ce qui t'arrive toi? Pourquoi tu rentres et que tu te fais défoncer? Pourquoi il y en a qui campe au spawn? Ah bah non, j'ai cru que c'était un Français. Voilà, j'ai pris la peine de le dire. Hop, les
Bah, tu passeras sur YouTube. Je tourne. J'aime comment j'ai le temps de taper entre deux moves, quoi. Putain, il va vite, là, d'un seul coup, ouais. Bourrinage! Non, tu ne mourras pas! Tu ne mourras pas! Bonjour! Bonjour! Ah non, il m'a touché! Ah non! Le tir à la con! Le tir à la con, chers amis! Voilà! Voilà, c'est dit. What the fuck, qu'est-ce qui est arrivé avec mon... J'aime ces messages moisis, mais bien sûr, mais ce chat est tellement buggé. Non! Laissez-moi y être à temps! Laissez-moi y être à temps! Je vole, ça n'a pas duré longtemps, je vole plus. Si, je revole! Oh putain, je vole! Oh non, déjà, je vole! Bousillez-les au spawn! Bla, cabla! Aïe. Zéro dégâts, mon électroplate de cul. Oui, je l'ai eu. C'est moi qui l'ai fait, ça a tourné, il n'y a pas eu de problème cette fois-ci. Yes. GG. Oui, j'ai une... j'ai une chaîne. Et je me suis barré comme un voleur. Blablabla. 365 crédits. 365 000. 365 000, ça me paye combien de cubes ça? Rien. Juste pour voir. 10. Je peux pas m'en payer 20. Ça me paye 15 cubes. Génial. À ce tarif là, je suis pas rendu, chers amis. Bon. Et ben, le prochain épisode que tournera, on le tournera avec celui-ci. Ou on attendra peut-être un petit peu quand même entre deux. Je sais pas. Coucou, tu veux voir ma bite? Oh putain. Oh putain. Allez, Dark Emanuel. Non, Dark Emanuel, je te garde encore un petit peu. Tu redis pas de conneries pareil. Je l'aurais fait aussi. Bon, bah ce vaisseau est pas si mal. Il est juste extrêmement lent au final. C'est vraiment ça le plus gros souci de ce vaisseau. Ah oui, et en cas de pépin sur cet avant-là, on est dans la merde. Mais ça, je le dis pas. Faut pas le dire. Parce que sinon, quand je jouerai et qu'il y aura des gens avec moi, eh ben, ils vont tous viser devant. Chut. Donc les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce vériser, à la commenter, à la partager, vous abonner. Rejoignez le groupe Steam Joueurs de la Playroom, dont vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. J'ai l'impression d'être Fred et Jamy, vous savez, dans C'est pas sorcier, quand ils disaient au revoir en chuchotant. Oh là là, ça va plus dans ma tête. Allez, salut les gens.